Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. C'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes au centre de secours de la Morlaix en France. Et en fait, comme il pleuvait dehors, je me suis dit qu'on pourrait s'amuser à l'intérieur. Et donc, je suis ici, dans ce centre d'incendie et de secours. Ouais! C'est ici que les pompiers travaillent. Sachez qu'on les appelle aussi les soldats du feu. Ils combattent le feu, mais ils font aussi plein d'autres choses. Et j'ai voulu savoir ce qu'il fallait faire pour devenir un véritable pompier ici en France. Mais d'abord, si on commençait par observer quelques véhicules de pompiers. Suivez-moi. Ouhouhou, regardez ça. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est ça. C'est un camion de pompiers. D'ailleurs, en anglais, camion de pompiers se dit a fire truck. En effet. C'est très joli, non? Et ce camion de pompiers est génial. Il est très grand et il y a plein de choses pour éteindre le feu. Comme ça. Waouh! Ça, c'est la lance. Super cool. Les pompiers appellent ça une lance, mais en fait, c'est un tuyau. Oh, regardez, ce truc est tellement grand. Waouh! Et ça permet d'envoyer de l'eau. Wouh! Pour éteindre le feu. Et regardez un peu comme il est long. C'est ça qui se branche sur la borne d'incendie. Oh, hey, vous voyez ce que je vois? C'est la chose la plus importante. Oui, ça c'est très important. Une échelle, oui. En anglais, ça se dit a ladder. Oui, l'échelle c'est très important. Il faut que les pompiers puissent monter tout en haut des maisons et utiliser leurs tuyaux pour éteindre les incendies. Wow, regardez. Hé, c'est quoi cette grande porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Wow, regardez, c'est une pompe à eau. La pompe exerce beaucoup de pression sur l'eau pour l'envoyer dans le tuyau et éteindre les flammes. Wow, ce camion de pompiers est très impressionnant. Il y a des tuyaux, une échelle et une gigantesque pompe à eau. Ouais. Ce camion de pompiers est génial. Ouais. C'était génial de le découvrir. Mais souvenez-vous, demandez toujours la permission avant de toucher quelque chose qui n'est pas à vous. Heureusement que j'ai demandé la permission. Et regardez tout ce qu'il contient. Eh, venez. Wow. J'ai trouvé un cône. En plus, c'est ma couleur préférée, orange. En plus, il est très brillant, pour qu'on le voit bien. Si vous voyez des cônes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose de très important. Alors autant rester à distance, parce que ça pourrait être très dangereux. Mais c'est vraiment très joli. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, plein d'outils et toutes sortes d'équipements dont les pompiers ont besoin pour aider les gens. Ouh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Hey, vous avez vu la taille des roues et des pneus de ce camion? Des pneus énormes pour coller à la route et pouvoir aller très vite en toutes circonstances. Hey, tiens, est-ce que vous avez vu tous ces boulons sur la roue? Avec ça, les pompiers sont en sécurité. Hey, vous avez vu ça aussi? Hey, regardez! Wow! Hey, juste ici, il y a un autre tuyau, mais celui-ci est un peu différent. Ah ouais, il est très coloré. Et... Wow! Oh, on peut le porter. Oui, et on peut le porter parce que... Ce tuyau est fait pour travailler à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut l'emmener avec soi s'il y a le feu à l'intérieur. Génial! Et le trou est un peu plus petit. Vous savez quoi? J'ai une idée! Et si on dansait? On va faire la danse du pompier avec son tuyau! Wouhou! Allez! Wouhou!
Être pompier, c'est super génial! Mais oui, ils éteignent toutes sortes de feux, et même les feux de forêt, et aussi les feux de broussailles. Ouais! Et dans ce cas, ils utilisent ce camion. Il est immense! Regardez un peu! Vous avez vu ses roues et ses pneus? Pas mal! C'est un camion citerne forestier moyen! Wouhou! Et ces énormes pneus permettent de rouler dans la boue, sur l'herbe et parfois même sur des arbres qui seraient tombés au milieu de la forêt! Wow! Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Wow! Ouais! C'est un énorme pare-choc! Donc, si le camion percute un arbre ou bien une grosse plante, il continue à rouler! Rien n'arrête les soldats du feu! Ouais! Ils doivent éteindre les incendies! Wouhou! Hé! Vous avez remarqué? L'arrière de ce camion est immense! Wow! Ouais! Il est vraiment énorme! Ça, c'est parce qu'il est rempli d'eau! Quand ils doivent éteindre un feu en pleine forêt ou bien dans la nature et que la ville est loin, il n'y a pas de bouche d'incendie. Et oui, ils doivent donc amener l'eau dont ils ont besoin pour éteindre le feu. C'est dingue ça! Hey, vous saviez que les pompiers pouvaient faire d'autres choses? Ils sont là aussi en cas d'inondation. Hey, vous avez vu? Suivez-moi! Wow! Regardez! Ça, ce n'est pas un camion, mais c'est utile pour les inondations. Ouais! Il s'agit d'un très gros moteur et d'une énorme pompe. Ouais! La pompe qui est ici va aspirer l'eau dans une zone qui est inondée pour la rejeter dans les égouts. Les pompiers sont tellement géniaux! Mais oui! Oh! Ce serait vraiment cool de devenir pompier! Wow! Ça m'amuse beaucoup d'en apprendre bien plus sur les pompiers et les véhicules d'urgence! Mais j'aimerais tellement rencontrer un soldat du feu, ça serait vraiment génial! Hé, hey, attendez! Vous avez vu cette personne? Je vous parie que c'est un pompier! Et si on allait le saluer? Suivez-moi! Bonjour, moi c'est Blippi, comment tu t'appelles? Salut Blippi, moi c'est Pacôm. Enchanté Pacôm. Wow, tu es pompier? Oui. Wow, oh, j'avais reconnu la veste. Oh, c'est vraiment trop cool. Hey, dis-moi, quelle est la première chose à faire pour devenir pompier? Il faut d'abord passer un test. Oh, hey, ça n'a pas l'air facile. Mais bon, comme les pompiers sont forts et intelligents, ça n'a pas l'air si dur. Une fois qu'on est pompier, on fait quoi ensuite? Tu dois t'habiller comme un pompier. Oh, ça a l'air d'être amusant. Et tu crois que je pourrais m'habiller comme un pompier? Oui, bien sûr. Wow, mais c'est génial. Et je crois que je suis prêt. On y va. Hey, t'as entendu? C'est parti. Oh, wow. Hey, Pacôme, qu'est-ce que c'est? C'est notre uniforme. Ouais, regardez. Un véritable uniforme de pompier. Au complet. Wow. Hé, hey, c'est très coloré. Oh, tu peux nous dire de quoi il se compose? Une veste. Ah, et? Et un pantalon. Wow. Ok, tu crois que je peux l'essayer? Oui, bien sûr. Alors c'est parti. Je commence par quoi? Le bas. Ok. Allez, on y va. Ok. Ouh. Wow. Hé, hey, regardez, il y a même des bretelles. C'est rigolo. Allez, une jambe. Parfait. Et... Wow. Et deux. Wow. Wow. Et maintenant, les bretelles. Double bretelle. Super. Il est temps de mettre la veste. Ok, c'est parti. Oh, c'est génial. Wow. C'est assez lourd et sûrement un bon moyen de se protéger. Oui. Et qu'est-ce que je dois mettre ensuite? Ça. Wow. Regardez! Vous avez vu ça? Wow! Et comment ça s'appelle? Un casque. Wow! Un casque! Oh, c'est vraiment la classe! Je peux l'essayer? Bien sûr. Wow! Ça devient de plus en plus amusant. Mais, oh! On dirait qu'il y a aussi une cagoule. Oui! Comme les pompiers vont parfois dans des endroits très chauds, ils doivent porter cette cagoule pour se protéger. Mais bon, je ne suis pas un vrai pompier, alors je vais juste essayer le casque. Ok! On y va! Oh,
J'ai l'air d'un vrai pompier. Je crois qu'on a fini, non? Non. Ah, j'ai oublié quelque chose? Tes gants. Les gants. Oh, regardez. Deux gants. Oui. Un, deux. Ouais, c'est super. Et où est-ce qu'on les met? Aux mains. Wow. Ok, il n'y a plus qu'à les enfiler. Wow, regardez. Je porte une tenue de pompier. Ouais, eh bien en bas, on a... un pantalon. En haut, on a... une veste. Et sur la tête... un casque. Et aux mains... des gants. C'était tellement amusant de s'habiller en pompier et de voir tous ces camions. Mais après les tests et l'uniforme, on fait quoi ensuite? Il faut s'entraîner. Oh, ça a l'air très amusant. Et tu crois que je pourrais essayer? Oui, bien sûr. Oh, super, on y va. C'est parti. Allez, suis-moi. Wow, regardez, nous sommes dans une nacelle d'un camion de pompier. Alors, pour l'entraînement, on utilise la nacelle. Ah ouais? Il faut savoir tenir dans la nacelle. C'est ce qu'utilisent les pompiers pour atteindre de grands immeubles. Mais eux, ils ont un tuyau. Et comme c'est de l'entraînement, moi, je n'en ai pas besoin. Allez, je crois qu'il est temps d'y aller. Est-ce que tu es prêt, Lippy? Toujours prêt. On monte. C'est parti. Génial, on a réussi! Je me suis bien amusé aujourd'hui. Merci Pacom de m'avoir appris ce qu'il fallait pour être pompier. De rien, Blippi. À bientôt alors. C'était super. À bientôt. À bientôt. Wow, quelle journée formidable! On a appris plein de choses sur les véhicules d'urgence et ce qu'il faut faire pour devenir un pompier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez chercher mon nom. Hé, hey, on les pèle ensemble. Ok, vous êtes prêts? C'est parti! B-L-I-P-P-I! Blippi, bien joué! À la prochaine! Bye bye! Bye bye! C'est parti! Regardez dans quoi je suis arrivé! Ouais, une voiture de police! Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur les voitures de police! Regardez un peu ça! C'est une voiture de police! Ça vous dit de venir voir comment marche une voiture de police avec moi? Ouais! Venez! Ouh! Regardez un peu cette rampe gyrophare! Là, la lumière rouge et bleue qui est là-bas! Et à propos de lumière... wow! Voici le projecteur! Wow! 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 Ça m'éblouit! Et à l'avant de la voiture de police, c'est un pare-buffle! C'est utile pour pousser les véhicules sur le bas-côté de la route, en cas de panne. Et alors là, en bas, voici le haut-parleur! Écoutez! Vous là, dégagez de la route! Ouais! C'était trop bien! Oh! Et un de mes trucs favoris par là! Le moteur! C'est d'ici que provient toute la puissance de la voiture! Oh!
Voilà l'huile. Vous faites le niveau avec moi? Les allergies de saison. Ok. Ouh, regarde. Ouais, l'huile est ok pour moi. On remet la jauge en place. Et on ferme le capot. Et on va vers l'arrière. Ouh, regardez en bas. Les roues et les pneus. Waouh, et regardez là. Deux mots. Le premier mot est Olympia. O-L-Y-M-P-I-A. Et le deuxième mot est police. P-O-L-I-C-E. Olympia Police. Et enfin et surtout, le coffre. Il y a des trucs cool là-dessous, je le sens. Waouh! Fusée de détresse. Oh! Un pistolet radar! Et ces cônes, même de la rubalise. On verra le reste plus tard. Mais maintenant, c'est l'heure de danser! Voulez-vous voir l'intérieur du véhicule de police avec moi? Ouais, venez! Wow! Wow! C'est l'intérieur du véhicule! Regardez ça! C'est un interrupteur, vous voyez? Je vais le pousser vers la droite. Et voici les lumières, là-haut! Wow! Elles éblouissent. Ok, je les arrête là. Elles sont éteintes. Regardez ça. Voyez, je viens juste de l'allumer. Ça, c'est le projecteur. Vous le voyez? Wow. Ok, on éteint ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Oh, le super volant. Et le microphone. Hello, hello, je vous vois, c'est Blippi. Ça, c'est fun. Et oh, en parlant de bruit et de son, regardez ça. Ça, juste là, ce bouton. Essayons. Ouais, c'est la sirène. Ouh. Et l'ordinateur. Police. Ouais. Wow. Ça, c'est trop cool. C'est la chanson Blippi, voiture de police. Ok. Et j'ai encore d'autres trucs fun à vous montrer par là. Venez, je ferme la porte. Ok, venez ici. Regardez là. Ça, c'est le sac d'intervention. Il y a plein de gadgets super cool et de surprises là-dedans. Wow. Voilà les jumelles. Wow. Je peux voir tellement loin. Wow. Hey. Ok, on repose ça là. Oh. Un petit rhino. Oui, 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 oui. Wow. Appareil photo. Lampe torche. Hello. Hello. On peut voir dans le noir. Wow. Trousse de secours. Oh. Et des menottes. Trop
cool. J'adore les menottes. Ok, on va les essayer. Elle est attachée. Oh! Et maintenant qu'on a mis les menottes, on ne peut plus les enlever. Oh! Oh! Mais heureusement... Waouh! J'avais cette clé pour menottes ici. On pousse par là. Un tour par ici. Et on les enlève. Super magique! Alors, on remet ça là. Oh! Et enfin, pour finir... Tout officier de police se doit d'avoir une paire de lunettes. Ok. Là, je suis un officier de police. Hé, regardez ça. C'est là qu'on va mettre le suspect. Waouh! La porte n'a même pas de poignée dedans. Et les sièges, en plastique, c'est très inconfortable. Wow! J'aime pas trop être là derrière. Et pas de poignée, c'est comme une sécurité enfant, mais pour adulte. Hey! Voici un appareil qui mesure la vitesse. Ça envoie un laser qui rebondit sur la voiture et revient. Il donne la vitesse à laquelle les gens roulent. On est là, sur la route, pour arrêter les chauffards. Oh, en voilà un! Waouh! Il va bien trop vite. Allons l'arrêter. Hey! Hello, monsieur l'agent! Monsieur, il faut que je vous parle de votre vitesse. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le pied lourd? Bon, ça va aller pour aujourd'hui. On est juste là pour garder tout le monde en sécurité. Très bien, merci. En parlant de ça, on est à la recherche de cette personne. Vous ne l'auriez pas vu? Oh non! Cet homme a l'air de porter des lunettes. Moi, non. C'est vrai. Bon, je vous donne ça. Appelez-nous si vous le voyez. Ok. Bonne route. Merci beaucoup. Bye. Wow! Là, c'était moins une. Hello! Hey! Regardons ce qu'il y a à l'arrière de la voiture de police, d'un peu plus près. Oh! Regardez! Voici une casquette d'officier de police. Oh! Et... Ouais! Un gilet de sécurité. Ouh! C'est jaune fluo. Regardez! Ouh! Ok. Un beau gilet de sécurité fluo. Comment suis? Ok. Oh! Là, j'ai mis ma casquette. Et... Oh, regardez! Quatre cônes de couleur orange. Un... 2, 3, 4. Ok. Ouh, regardez, une fusée de détresse. Waouh. Bien dans ma poche. Et une herse routière. Ok. Je pose ça là. On ferme le coffre. Ok. Alors commençons. Ouh, la herse routière. Venez voir ça de plus près. Waouh! Regardez ça. Waouh! Bien pointu. Ok, mettons ça là, par ici. On met ça par là. Ok, prêt? Regardez ça. Ok. On va baliser le parcours pour la voiture de police. Et la voiture va devoir bien éviter de rouler sur ça, parce que ça, c'est très pointu. Ok. On va donc prendre les quatre cônes. Et en mettre un par là. Venez. Oh! Et... Voyons... On va mettre le second par ici. 1, 2...
Et mettons le troisième juste ici. 1, 2, 3. Et on en a encore un. Venez! Ok, pourquoi pas ici? Prêt? Ouais! 1, 2, 3, 4. J'allais oublier! Mon truc favori, la fusée de détresse! Wow! Ok, ça... ce n'est pas un jouet! Pas pour les petits! Alors... allons-y! Wow! Ok, on va le poser juste ici. Et... c'est parti pour la course! Éviter de justesse. Bien joué. C'était super fun de découvrir les véhicules de police. Là, c'est l'heure de la chanson Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. C'est passé. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Oui, il y en a de plusieurs formes. Elles ont une radio et un ordinateur. À leur nez. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Vous avez des ennuis. Quelqu'un est blessé. S'il y a une urgence, appelez 112 et la police arrivera en conduisant. C'était vraiment fun de chanter et danser sur la chanson Voiture de police avec vous. Hey, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes très précieux. Vous êtes d'incroyables enfants. Je suis si admiratif de voir tout ce que vous faites pour la planète. Vous la rendez meilleure et vous aidez tous les gens. Enfin, et surtout, merci d'être mes amis. Merci. Bien, je dois y aller maintenant. Mais si vous voulez me retrouver plus tard, vous savez où me trouver. Oui, cherchez juste mon nom. Vous connaissez mon nom, hein? Oui, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I.
Blippi, c'est mon nom. Bien joué. On se voit vite. Bye. Oui. Oui. Regardez ce que c'est! C'est une pelleteuse! Ouais! Vous êtes prêts à découvrir les pelleteuses avec moi? Ouais! Allons-y! Spectaculaire! Découvrons les différentes parties de la pelleteuse. Venez ici! Commençons avec la cabine. Là, à l'intérieur ici, c'est là où le conducteur de la pelleteuse s'assoit. Regardez dedans! Waouh! Il y a beaucoup de manettes de contrôle ici. Ça a l'air fun! Wow. Ok, fermons la porte. Oh! Oh! Regardez! Ouais! Ce sont les chenilles de la pelleteuse! Wow! Il n'y a pas de roues ni de pneus sur une pelleteuse. Uniquement des chenilles qui lui permettent de rouler sur les pierres, dans la boue, sur les grosses buttes de terre, sans jamais rester bloqué, comme ça. Vous voyez? Je suis même pas bloqué! Oh! Regardez là derrière! C'est... le compartiment moteur. C'est là que la pelleteuse puise toute son énergie. Ah, regardez! Waouh! Il y a d'autres composantes du moteur de l'autre côté et sur le dessus. Il y a des radiateurs, du liquide de refroidissement et tous ces trucs fun là-dedans. Oh! J'ai failli oublier ma partie préférée! Le godet, c'est parti! Regardez le godet! Ce godet de pelleteuse est super gros! Il peut creuser et retirer d'énormes pelletées de terre dans le sol! Cette partie juste là, celle-là, ouais, ça s'appelle le pouce! Wow! Regardez encore tout ça! Wow! Ça, c'est le bras de la pelleteuse. Il est très grand. Et cette partie-là, ça, c'est la flèche de la pelleteuse. Le bras, la flèche et le godet. Et tous ces éléments sont articulés grâce au vérin hydraulique. Waouh! Il pousse le fluide à... et tout peut alors bouger. Wouh! Waouh! Je suis une pelleteuse! C'était trop super fun de découvrir les éléments de la pelleteuse. Maintenant, c'est l'heure de conduire la pelleteuse. Allons-y. Wow, wow, wow. Et avant toute chose, la sécurité d'abord. Ouais.
Ouais! Regardez! J'ai mon gilet de sécurité et mon casque jaune! Oh, vous voyez ces joysticks? Ce sont eux qui dirigent le bras, la flèche et le godet. Voyez? Oh, et celui-là? Celui-là permet de pivoter. Regardez ça! Wow! 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 Ah, c'est tellement fun! Oui! Ok, et alors je le pousse de l'autre côté. Et là, nous allons pivoter dans ce sens. Wow! Wow! Oui! Ok, on y va. Bien. Assez pivoté. Maintenant, c'est l'heure de creuser. Le joystick. Ouais! Wow! Regardez la taille de cette pelletée! Ouais! Et maintenant, allons vider cette pelletée! Wow! Ça, c'était une grosse pelletée! On fait une petite virée en pelleteuse. On roule tranquillement pour trouver un nouveau spot où creuser. Regardez ce que c'est! C'est une souche! Oh, je me demande ce qu'il y a en dessous de cette souche. Sous la souche. On dirait bien que c'est de la terre. Beaucoup de terre. Hey, regardez! Une énorme pierre! Quoi d'autre? Regardez! C'est un lecteur CD! Les lecteurs CD diffusent de la musique. Je me demande quelle chanson se cache dedans. C'est la chanson de la pelleteuse. Et la terre à tout à l'heure. Je suis un excavateur. J'ai un très gros bras et un très gros baquet. Si je commence maintenant, j'aurai vite tout creusé. Je récupère toute la terre. Je suis un excavateur. Très gros baquet et je ramasse tout le temps. Creuser des trous dans le sol, que vais-je trouver? Je suis un enquêteur de terre, je suis un excavateur. Oh, vous voyez, je n'ai pas de pied. Sans pied, comment avancer? Je roule sur des rails pour me déplacer et bouger. Je suis un excavateur, excavateur. Et la terre à tout à l'heure. Je suis un excavateur. Hey! C'est l'heure de faire la pelleteuse. Je vous apprends. Tout ce qu'il faut faire, c'est lever les bras, comme le bras, la flèche et le godet. Et on va creuser. Oh!
a un endroit pour conduire, c'est la cabine d'où on contrôle la pelle pour ramasser. Je suis tout un régulateur, je suis un excavateur. Parfois, pas de repos, pas d'amusement. Je suis un excavateur, excavateur. Aïe, le crabe! Tout à l'heure, je suis un excavateur, excavateur. De découvrir la merveilleuse machinerie d'une pelleteuse avec vous. Bye bye. Wouh ouais. Wouh. Hey, hey, c'est moi, Blippi. Waouh, vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Oui, un tas de rondins. Aujourd'hui, je suis au port d'Olympia dans l'état de Washington et ces rondins sont découpés et exportés dans différents pays afin de construire des maisons. L'état de Washington est super cool parce que pour chaque arbre qui est abattu, les compagnies ici doivent replanter au moins 3 nouveaux arbres. Donc, je crois qu'on va explorer le port. Mais d'abord, il faut l'équipement de sécurité. J'aime être en sécurité. Très bien, allons explorer le port. Et vous voyez ça? Ça, c'est une grue. Et elle est très grosse. J'adore les grues parce qu'elles peuvent prendre des trucs sur le sol et les hisser très très haut dans les airs. Ouais, des trucs hyper lourds. Je vais aller explorer cette grue. Regardez ça! Voici les jantes et les pneus de la grue. Ouais, les pneus sont noirs et les jantes sont de couleur bleue. Et vous avez noté qu'il y en a 2 larges? Ouais, 1, 2. Oui, pas seulement 1, mais 2. Hey, j'ai une idée! On va compter le nombre total de ces roues. Très bien, on commence par ici. Ok, en voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au total. Et une petite seconde. Souvenez-vous, on a dit qu'il y en avait 2 larges. Ok, on en a 8 fois 2. Ah, 8 fois 2. Ça fait 16. Bien joué. Oh mais attendez un peu. On n'est que d'un seul côté. Il y en a donc une autre série de l'autre côté. Ça fait donc 16 fois 2. Oh, c'est vraiment dur. Allez, voyons ça. 16 fois 2. 32 jantes et pneus. Wouhouhou. Bien joué. Wow! Eh, vous voyez ça? En fait, il y a un ouvrier là-bas. Allons lui parler! Salut! Hey! Hey, Blippi! Hey, qui êtes-vous? Je suis Franck. Ah, je suis enchanté! De même, enchanté. Et qu'est-ce que vous faites ici? La maintenance d'équipement du terminal maritime. Et aujourd'hui, on s'occupe de la grue portuaire Gottwald. Wow! Une grue! Oh, c'est trop cool! On peut monter? Bien sûr! Oh, allons-y! Ouais. Allez, venez! Oh, on y est. Entrez donc. Allez, venez. Wow. Et vous voyez ça? Wow. Wow. Je vais m'asseoir sur le siège. C'est là que l'opérateur s'assoit. Wow.
Regardez comme c'est haut! Wow! 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 Trop cool! On doit être à 90 pieds à peu près. Pas loin de 30 mètres. Environ. Wow! Et vous voyez ces crochets là-bas? Ils servent à attraper les choses. Ils peuvent tout prendre. Des grumes, des bateaux, des palettes. Ouais, trop plein de choses. Waouh! Hey, venez voir ça! Waouh! Regardez ces gros câbles! Ça, c'est le monte-charge. Waouh! Oh, mais c'est énorme! Regardez! Waouh! Et cette pièce, c'est le local électrique. Waouh! Regardez tout ça! Hé, hey, là, il y a encore un ouvrier! Il a l'air d'être au travail! Hey! Cool, très bien. Et sortons de cet endroit. Waouh! Là, nous allons dans la salle des machines. Waouh! Regardez la taille de ce moteur! Franck, quel moteur on a là? C'est un très gros. Il a 12 cylindres et c'est un biturbo Cummins diesel. Waouh! C'est un gros et puissant moteur! Regardez ce gros crochet! Attention! Il balance! Venez! Waouh! Et vous voyez comme c'est gros? Waouh! C'est ce qu'on utilise pour attraper les très lourdes charges. Très bien! Hey, regardez! Ça, c'est un énorme navire! Oui, c'est sur ce type de bateau que l'on charge tous ces rondins. Puis, il prend le large sur l'océan. Il achemine et délivre les rondins. Waouh! Que nous dit ce signe? Accès interdit aux personnes non autorisées. Et nous, on peut y aller! Wow! Ce sont d'énormes rondins! Et il y en a un sacré paquet! Et je crois que vous et moi, on devrait les compter. Prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10444, 10445, 10446, 10000. Oh non, oh, j'ai perdu le fil. Ok, enfin bon. Je crois qu'on va devoir laisser les chargeuses de rondins reprendre leur travail. Il est temps de quitter les lieux. Ils vont continuer à charger quelques rondins sur le navire. Très bien, à tout de suite. Wow, ça, c'est un petit bateau. Wow, ça, c'est un bateau de taille moyenne. Wow, ça, c'est un gros bateau! Et il y a aussi cet élévateur à bateau. L'élévateur va juste au-dessus de l'eau. Il descend ses sangles dans l'eau et alors, il peut soulever un bateau. Ou il peut faire l'opposé. Il hisse alors le bateau, comme ceux qui sont garés là-bas, au-dessus de l'eau, puis le fait descendre. Mais hé, hey, regardez ça! Là, ce sont d'énormes sangles. Elles sont très solides. En fait, ce truc peut lever l'équivalent du poids d'au moins 7 autobus. Oh, ça fait un sacré poids. Ok, enfin, sortons de leur chemin afin qu'ils puissent soulever un bateau. Ça va être trop cool. Wow, cet engin est tellement gros.
Wow! Vous voyez ce qui se passe? Ces sangles descendent jusqu'à l'eau. Puis, elles vont aller s'immerger dans l'eau et c'est là que le bateau va se positionner au-dessus des sangles. Ensuite, les sangles vont hisser le bateau et puis le transporter sur la terre. Vous voyez ce qu'ils font? Ils utilisent ces perches pour ramener le bateau. Tout doucement, c'est pour éviter qu'il cogne le bord du quai. Ouais. Ah, ce n'est sûrement pas leur bateau. Alors, ils doivent en prendre le plus grand soin. Exactement comme quand vous empruntez le jouet de quelqu'un. Vous vous assurez de traiter ce jouet avec beaucoup de respect. Wow! Vous avez vu comme ils ont soulevé le bateau? Ouais! Maintenant, il est hors de l'eau. Là, les roues vont rouler sur le béton et le ramener sur la terre ferme. Wouhou! C'était génial! Maintenant, c'est l'heure de gratter. Regardez! On dirait des bananes et aussi des pousses d'algues. Wow! Ça a l'air bon, mais pas pour moi! Wow! Très bien! Super propre! Ouais! Bien, je crois qu'on devrait y aller, car il y a encore beaucoup de bateaux à explorer. Oui, regardez! Oh, il y en a tellement! Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Hello, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis à la boulangerie Peony de Seattle, Washington. Wow, regardez ça! Oh, c'est trop cool! Ouais! Oui, on est à l'arrière, c'est la cuisine! Oh, regardez ce que c'est! Wow, regardez! Oh, oh, wow! Ça, c'est un tablier! Wow, regardez! Regardez ces fleurs! Ouais, ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine. Oui, c'est sûr, j'ai mangé plein de légumes aujourd'hui. Oui, maintenant qu'on a mangé bien sainement, on a le droit à quelques friandises. Ah, je suis trop impatient. Venez! Wow! Regardez cet endroit. Wow, il y a plein de trucs super cool. Ouais, comme cette tasse à mesurer. Oui, on peut la remplir et connaître la quantité d'ingrédients exacts qu'il y a dans cette tasse à mesurer. Wow! Une cuillère géante! Ouh! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça. Wow! Regardez! Oui! Une spatule! Boing! C'est trop cool! Ok, je vais la mettre là pour l'instant. Wow! On dirait qu'on a du vinaigre! Miam! Ok, et voilà. Wow, venez! Wow, un évier géant! Wouhou! Ouais! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle! Wow! En parlant de faire la vaisselle... Wow! Salut! Là, c'est le lave-vaisselle! On met un maximum de vaisselle sale ici, et puis... On referme bien. Oui! Ouais, c'est génial! Wouhou! Wouh! Regardez! Ça, c'est une plaque de cuisson. Waouh! On peut cuire tellement de choses là-dessus! Wow! Toutes ces plaques de cuisson! Oh, vous voyez le petit feu juste ici? Ouais! Ce n'est pas un jouet. Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine. Thank you.
Miam! Ouais! Regardez ces friandises! Waouh! Ça, ce sont des macarons! Et ils ont l'air délicieux! Regardez ça! Celui-là est de couleur rouge! Waouh! On dirait qu'on a du vert, et du bleu, et du orange! Waouh! Regardez, je vais prendre un orange et un bleu. Oh, mes deux couleurs favorites! Oh, je les mangerai plus tard. Wow! On a des cookies au sésame noir. Miam! Wouh! Et des oube cookies. Miam! Regardez ça! On va l'ouvrir. Wow! De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur violette! Ouais! Il n'y a pas de colorant dedans. Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname, un aliment ajouté à ce cookie. C'est trop cool! Ok, on pose ça juste là, pour que je le mange plus tard. Waouh! Regardez ces trucs trop mignons! On dirait... De quel animal s'agit-il? Oui! Une vache! Waouh! Gâteau à la vanille! Ouais! Pour le gâteau Blippi! Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ouais! Un gâteau triple chocolat! Ça a l'air délicieux! Et peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns! Ouais! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons! Ouais! Wow! Regardez! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes. Vous savez combien dure 20 secondes? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet. Vous chantez avec moi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Hey, voilà. Ok. On les rince bien. Wow. Elles sont bien propres maintenant. Ok. Parfait. On referme l'eau. Oh. Wow. Là, je suis prêt à faire de bonnes friandises. Oh. Hey, qui êtes-vous? Hello, je suis Jennifer, je suis la pâtissière de chez Peony. Waouh, je suis enchantée, je suis Blippi. Ce sont des ingrédients? Oui, ce sont les ingrédients pour les macarons. Ah, et qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs et de la farine d'amande, on a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel. Quand on le goûte, c'est très salé, mais quand on en met dans un dessert, ça l'adoucit et ça lui donne un meilleur goût. Waouh, ça a l'air délicieux! Vous avez dit farine d'amande? Pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants. Ça les rend plus légers. Waouh! C'est trop cool! Oh hey! Ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur. Je vais aller mettre le four en marche. Ok! Très bien! On va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur! Bien! D'abord... On met du sel. Hop. Puis, on ajoute le sucre. Ensuite, la farine d'amande. Waouh! Hey, regardez! Un petit bol, un moyen et un gros. Et voilà. Parfait! Et pour les œufs... Attendez une seconde. Et il faut probablement les casser. Très bien. Allez, on y va. Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur. Ouais! Wow! Hey! Regardez! Ça, c'est un énorme robot mixeur. Wow! Regardez comme il est gros! Il a un énorme fouet ici. Waouh! Et là, il y a un bouton vert on. Un rouge
pour le stop et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients. Très bien, on y va. Je verse le tout. Ah, on dirait qu'il y en avait déjà avant nous. Je crois que ça va être une grosse fournée. Très bien. Maintenant que tous les ingrédients sont dedans, il faut s'assurer que la grille est bien fermée. Il faut bien remonter le bol. Et voilà. Maintenant, il faut tourner ça sur la position on. Comme ça. Et on va pousser le bouton start dans 3, 2, 1. Ouais! Là, ça mélange! Wow! Ouais! La pâte a l'air finie! Oh oh oh! C'est un gros bol! Ok. Pour la prochaine étape, il faut, oui, prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ces poches à douille. Ouais! Quelle forme a cette poche à douille? Oh! Ouais! On dirait un triangle! Parfait! Vous voyez comment on peut l'ouvrir? Ouais! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte. Hé, regardez! Ouais, il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille. Ok, Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, il faut couper la poche. Ok. Je coupe le tien. D'accord. On va faire des vaches en macarons. Wow! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle. Ok. On va faire des vaches en macarons. Et il faut faire une sorte de cercle. Ça, c'est la tête? Ça va être la tête, oui. Ok. Puis, il faut deux petits cercles sur le dessus pour ses oreilles. Hein? Ah, c'est marrant. Ah, c'est ok. Ok, je vois ça. Ouais, la tête et les deux oreilles. Allez, on va essayer. Très bien. On y va. Ouais, comme ça. Ensuite, une oreille. Deux oreilles. Oh, oh, parfait. Ça va être une très belle vache. Ok, on fait tout le plat maintenant? Oui, on va remplir toute la plaque. Ok, on y va. Super fun! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre. D'accord. Donc, il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes. Wow! Bien. Donc, je vais enfiler ces gants de protection. Très bien. On y va! Wow! J'ai mis mes gants de protection. Car les fours ne sont pas des jouets. Il faut faire très, très attention. Ok. Qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle a dit 20 minutes. Oh, ça fait longtemps. Attendez. Hé, une petite seconde. Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends? Ouais, j'adore danser. Wouhou! Vous entendez? Ouais! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini! Ouais! Allons ouvrir, puis voir les macarons! Wow! Wouhou! Oh, c'est chaud! Wow! Oh, ça a l'air délicieux! Wow! Regardez! Maintenant, on va les décorer!
Ça a l'air d'être super fun. Hey, je peux essayer? Sur Blippi, vas-y, viens essayer. Ok. Ouais. Je crois bien qu'on a trois couleurs ici. On a du noir. Et puis, là, c'est du blanc. Et là, on dirait que là, c'est la couleur rose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, oui! Vous vous souvenez un peu plus tôt? Oui, une vache, une jolie vache. Elle a deux yeux, deux oreilles, quelques taches et un joli petit nez. Ok, on va poser ça là et je vais commencer avec le noir. Très bien, je vais faire les deux yeux. Et on va faire les taches. Un petit truc en haut pour les cheveux. Ok, maintenant, on va prendre la couleur rose. Ha! Très bien. Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles. Et que c'est la base pour le nez. Et pour finir, la couleur blanche. On met juste un petit... Oh, on en a mis un peu trop. Mais c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça ressemble à une vache? Wow, ah, ça a l'air trop bon. Très bien. On va continuer la déco. Wow! Regardez! Pour Blippi, pour ma fête! Miam! Wow! Qu'est-ce que c'est? Oui, des macarons! Miam! C'est délicieux! Et qu'est-ce que c'est? Oui! Ça ressemble pas à mon nœud papillon? Ouais! C'est mon nœud papillon, Blippi! En macaron orange! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ouais! Hé! Hey, regardez ça! J'ai... deux trucs de glaçage. Ce sont mes deux couleurs favorites. Bleu et orange. Regardez. J'ai un Blippi macaron. Il n'y a rien. Pas de couleur du tout. Donc, peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer. Donc, mon réel nœud papillon est orange. Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi. Alors, on en met un peu. Oh! Ah, ça m'a l'air cool. On met une grosse noix là, une noix par ici, on va en faire une là, ah, et une aussi par là. Wow! On dirait pas du tout mon nœud papillon, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas grave. Parfois, quand on veut être créatif, eh oui, en fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, comme ça. Wow! Regardez! Wow! Miam! Eh, hey, ça a pas l'air trop bon, cela! Miam! Eh, hey, regardez. Je vais faire encore une grosse tache. Ouais, une bleue. Oh, on va bien finir tout ça par ici. Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus. Wow! Alors, ça a l'air bon? Ou ça a l'air trop bon? Miam! Ils sont délicieux! Ouh! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas? Ouais! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la boulangerie Peony à Seattle, Washington. Elle a fait un super boulot et ils sont tellement délicieux! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien, à la prochaine! Bye bye! C'est moi, Blippi! Oh, et regardez ce que j'ai! De très
très bons légumes. C'est très bon pour la santé. Et je suis bien rassasié, là. Et après avoir fait un bon repas, qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Oui, un dessert. Et aujourd'hui, on est au Bones Candy d'Issaquah à Washington. Ça va être trop vraiment super bon. Venez. Oh, regardez cet endroit. Miam! Je ne sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air super bon. Wow! Hey, des caramels! Oh, des chocolats! Hey, je pense qu'on devrait apprendre comment faire toutes ces friandises. Wow! Wow! Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sûr, on aime le chocolat. Hey, regardez là! Regardez comme ça sort de l'embout juste là. Vous voyez? Oh! Regardez ce que j'ai! Oh! Un truc en plastique avec des lettres dessus. Vous savez quelle lettre est ici? Ouais! C'est la lettre B! Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par la lettre B? Oui! C'est mon nom, oui! Blippi! Hé, j'ai une idée! Remplissons un de ces B avec du chocolat chaud. Prêt? Oh! Wow! Wow! Regardez ça! Il a fait couler le chocolat juste ici. Ok, maintenant, on doit le mettre juste là. Et puis, on va le secouer pour que toutes les bulles s'échappent. Et utiliser ce pinceau à chocolat. Ou ce pinceau au chocolat. Ok, en marche! Oh, oh! Bien, maintenant que toutes les bulles d'air ont disparu, mettons-le au frigo. Hey! Savez-vous pourquoi on le met dans le frigo? Ouais, souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit « le chocolat est très chaud ». Il faut le refroidir pour qu'il devienne tout à fait dur. Le chocolat est solide quand il est froid. Vous voyez? Pas de chocolat sur mes doigts. Bon, maintenant, la prochaine étape, mettons ça ici et on va le faire sortir. C'est parti. Oh! Oh! Oui! Regardez! Un chocolat B! B! Quel autre mot peut-on trouver qui commence par la lettre B? Brun? Ouais! Ce chocolat est de couleur brun. Et pourquoi pas un bourdon? Oh! 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 Ouais! Comme un gros bourdon! Ok, on le met dans la boîte. Boîte commence aussi par la lettre B. Ok, bye bye B. Et voilà. Hey, en parlant d'emballer le chocolat, regardez ça. Wow. Ok. Wow. Wow. Regardez ce qu'elle fait. Elle met tous ses chocolats dans toutes les boîtes. Waouh, bien joué. C'est bien ce que je fais. Merci, monsieur. Est-ce que c'est fun? Oh, Blippi, c'est vraiment trop fun. Vraiment. Cool. Eh bien, voici à quoi ça va ressembler quand elle aura fini. C'est sûr. Ok, maintenant, terminons l'emballage. Alors, il nous faut cette boîte de chocolat. On met cette protection. Et puis, un prospectus. Bombs Chocolates. Placé sur le dessus. Et puis, on met le couvercle de la boîte. Là. On fait glisser dans le plastique. On le pousse sous la machine à sceller. On referme. Ah, parfait. Ok. Maintenant, on a besoin d'un pistolet à air chaud. On appelle ça filmer le plastique. On chauffe le plastique qui se tend et devient tout lisse. Et voilà. Ça, c'est plutôt fun. Wow! Wow! Ouais,
ça commence à être vraiment bien. Ok, c'est bon, on peut le retourner. Et puis, quand c'est bien chaud et bien tendu, alors on accroche un nœud. Hop, sur le dessus et le dessous, et voilà! Vous voyez? Ça, c'est une très belle boîte. Très belle et boîte. Commence par la lettre B. Et Booms également. Je vais l'emmener à la maison. Wow! Oh! B, L, I, P, P, I. Bibi! Oh! Ha! Ces bonbons ont l'air trop bons! Ah! Ils sont sur un très long tapis roulant. Je me demande comment ça marche. Oh! Je peux essayer? Bien sûr! Regardez ici! Prenons deux morceaux. On met un morceau là. Et mettons le deuxième. Juste ici. Ensuite, ça roule sur ce très long tapis roulant. Oh! Là, il y a du chocolat qui se colle sur le dessous. Wow! C'est cool à regarder. Wow! Ça sèche un peu par ici et ça va très lentement. Vous voyez comme ça défile lentement? Oh! Oh! Et regardez! Un autre endroit où le chocolat se colle sur le fond. Wow! C'est super fascinant à regarder. Maintenant qu'il y a deux couches sur le fond, l'étape d'après, c'est juste là. Qu'est-ce que vous faites? Je recouvre les monts Rainier avec beaucoup de chocolat pour éviter les trous. Wow! Donc, ils mettent beaucoup de chocolat sur le dessus. Oh, regardez! Ça a l'air bon! Suivez-moi de l'autre côté! Wow! Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je rajoute de la neige de chocolat blanc sur le mont Rainier. Oh! Regardez ça! La neige de chocolat blanc! Wow! C'est de plus en plus bon! Et puis, juste là, ça refroidit. Et puis, venez par là! Wow! Qu'est-ce que vous faites? Je mets tous ces chocolats sur le plateau. Wow! Une fois ces chocolats terminés, ils sont rangés sur un plateau. Regardez! Wow! Wow! Regardez-les! Miam! Regardez! On dirait des petits triangles! Avec de la neige sur le sommet, exactement comme le mont Rainier. Wow! Miam! Wow! Regardez! J'ai du chocolat dans ce tube plastique. J'ai coupé le bout et avec, je vais faire une œuvre d'art. Prêt? Wow! Ça sort! Ok, dessinons un triangle. Et voilà! Bien joué! Et pourquoi pas un rectangle? Oh! Oh, ce rectangle ressemble à une tablette de chocolat! Hé! C'est une tablette de chocolat! Et si on épelait mon nom ensemble? Prêt? B L I P Et... Oui! Regardez! Blippi! Ça a l'air exquis! Que dessiner d'autre? Je sais!
des lignes dans tous les sens. Wow! Oui! Oh! Oh! Et voilà! Quand ce sera sec, ça va être super bon! Ah! Wow! Regardez ça! Ça, c'est une tablette de chocolat géante! Oh! C'est hyper lourd! Wow! Avez-vous déjà vu une tablette de chocolat aussi grosse? Eh bien, moi, non! Ok, ok, ce que je vais faire, ça va vraiment en mettre de partout. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler un tablier. Parfait! On l'attache à l'arrière. Wow! Maintenant que j'ai mis le tablier, on peut briser cette tablette de chocolat. Mais là, on dirait un marteau, non? Mais ce n'est pas un marteau normal. Ce marteau n'est utilisé que pour briser cette grosse tablette de chocolat. Prêt? Ouais! Ouais! C'était génial! Encore une! Une autre! Et voilà! Ça, ce sont des bouts plus petits, mais toujours assez gros. Ensuite, on va l'emmener jusqu'au réchaud. Mais d'abord, il faut retirer le couvercle du réchaud. Et puis... Oh, regardez! Ils l'ont déjà enlevé pour moi! Merci bien! Ouh. Regardez ça! Regardez! Regardez! Wow! Ça m'a tout l'air d'un très bon chocolat. En fait, ça réchauffe le chocolat pour le faire fondre. Bien, c'est parti! Regardez! Oh! Ouais! On remet le plateau. Et puis, on va prendre ce gros bol et le mettre juste ici. Et quand je vais ouvrir ça, tout le chocolat va se mettre à couler. Prêt? Wow! 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 Ça a l'air trop bon! Oh, c'est vraiment lourd! Ok, on emmène le chocolat par là-bas. Et une fois sur place, on va préparer des Rocky Road! Vous connaissez les Rocky Road? C'est vraiment bon! Bien! Donc, comme ce chocolat était très très chaud, on l'a laissé refroidir juste un tout petit peu de temps. Voyez? Voilà un très bon chocolat, juste un peu moins chaud. Bien! Alors, on a du chocolat, et puis, on prend quelques noix. Ça a l'air assez bon. Et puis, on prend aussi quelques chamallows. On met les chamallows d'abord, et puis on mixe tout ensemble. Mouah! Ok! Et voilà! Regardez! Waouh! Ouais! Il faut mixer le chocolat et les chamallows bien ensemble jusqu'à ne plus voir de blanc. On voit juste le chocolat. On y est presque! Waouh! Bien, ça a l'air plutôt bien mélangé. Vous voyez ça? On dirait des chamallows recouverts de chocolat. Bien. Maintenant, il faut incorporer les noix dedans. Alors, on les saupoudre dedans et on mélange. Ok. C'est parti! On mélange! Wow! Là, ça a l'air vraiment bon! Bien, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et le mettre sur la table. Ça va faire un sacré bazar! Alors, la première chose à faire, c'est de mettre ces énormes gants. Ouais. Oh! Regardez la taille de ces gants! Ils vont jusqu'en haut du bras! Wow! Et puis, on enfile cet autre gant. Ok. Oh.
j'ai mis deux énormes gants. Un et deux. Et puis, on enfile une autre paire de petits gants. Maintenant, on est prêt. On touille une dernière fois. Ok. On met la grosse cuillère par là. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des grosses bûches qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Wow! Ça a l'air trop bon. Alors, on prend ça, on le met sur la table et on en fait une très longue bûche. Prêt? Wow! C'est fou comme c'est mou! Et ça sent tellement bon! Oh! 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 Et voilà! Wow! Oh! C'est tellement fun! Ok, il y en a encore un peu. Ok, ça c'est un bol que j'aimerais bien lécher. Ok, encore un peu. Bien, je pense qu'on a tout mis. Bon, je pousse le bol là-dessous et maintenant je vais lui faire prendre la forme d'une très longue chaîne de montagne. Ce genre de forme. Avec des petits monts. Wow! Ça a l'air bon? Ou est-ce que ça a l'air super bon? Bien! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le laisser sécher. Et puis, on va se régaler! Bien joué! Regardez ça! C'est ce qu'on appelle le Rocky Road! Oh! Vous voyez ce que je fais? Je me lave les mains. Et je les lave vraiment bien. Car ce que je m'apprête à faire nécessite l'usage de mes mains. Bien! Je les sèche rapidement. Oh! Ça va être fun! Oh! Bien, là, mes mains sont bien propres. Alors, je vais utiliser mes mains comme un thermomètre. Vous savez ce que c'est un thermomètre? Un thermomètre vous aide à prendre la température. Suivez-moi. Wow! Oh! Et la température du chocolat que je vais utiliser est très importante. Voilà pourquoi je n'utilise pas de gants. Pour pouvoir être sûr que la température est parfaite. Vous voyez ce chocolat juste ici? Il est très chaud. Alors, prenons-en un peu. Et mettons-le sur la table. Ouais, juste comme ça. Parfait. Je pose ça juste là. Ensuite, on l'étale bien partout, bien comme ça. Et ce qu'on fait ici, c'est préparer des truffes. Waouh, elle est vraiment forte! Regardez! Waouh, c'est fascinant! Ici, je passe ma main comme ça, pour être sûr que c'est à la bonne température. Bien, ça a l'air parfait pour moi. Alors, avec ma main gauche, je vais prendre un peu de beurre de cacahuète et prendre un peu de ce truc blanc. Je le mets juste ici, je le fais rouler. Oh! Oh! Je dois continuer à bouger ma main droite, c'est pas évident. C'est un peu comme se masser le ventre et se caresser la tête en même temps. Ok, regardez. Oh! C'est super dur! Gracias.
a l'air pas mal. On va faire la prochaine un peu plus grosse. Voilà. Oh, je suis pas très bon. Mais un peu de pratique et ce sera parfait. Ok, et voilà. Bien, je la mets dans ma main encore une fois. Pouf. Bien. Et voilà. Wow. Celle-ci a beaucoup de chocolat. Et voilà. Oh, regardez comme elle est forte. Bien, j'en fais une toute dernière. On y va. Une petite torsade. Je la mets juste là. Pressons un peu de chocolat sur dessus. Wow! Ça ressemble à une bonne truffe. Bien. Maintenant que j'ai terminé, je vais aller me laver les mains de nouveau. Allons par ici. Attention. Wow! Bien. Comme je l'ai dit, c'est fini. Et ces chocolats vont être trop bons. Vous savez quel autre chocolat doit être très bon? Ouais, je vais lécher le chocolat sur mes mains. Parce que toute ma production de truffes est terminée. Et enfin, je me laverai les mains juste après. C'était super exquis. Et voilà. Oh, merci. Oh, je suis trop excitée de la goûter. Vous la trouvez pas exquise? Oh, c'était trop fun d'apprendre comment on fabrique ces bonnes friandises. Comme celle-là. Ce cornet de glace au chocolat, ça va être trop bon. On a vu le tapis roulant, on a fait des truffes. Oh, salut! Des amis! Wow! Goûtons un peu ça! Alors, les enfants, elles sont comment, ces friandises? Miam! Vraiment bon! Eh bien, c'était super fun d'apprendre tout ça aujourd'hui au Bones Candy Shop! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble. B-L-I-P-P-I. Bien joué. Bien, à bientôt. Bye bye. Bye. Aujourd'hui, je suis dans un ranch géant avec mes amis de la famille Axe. Comment va tout le monde? Ça va être super fun. Nous allons partir à la découverte des chevaux, des vaches et plein de trucs fun ici dans ce ranch. Hé, hey, Blippi, va donc te chercher une selle et on sellera le cheval. Youhou! Ça, ça va être fun. Regardez où nous sommes! Voici une grande étable! La famille Axe va nous amener le cheval pendant que je vous montre un peu l'intérieur. Oh, regardez! C'est là que les chiens dorment! C'est trop fun! Wouh! Il y en a un autre! Oh oui! Venez! Oh! Oh! Encore un autre! Regardez, venez là! Il doit travailler dehors! Regardez, la porte est ouverte! Les cow-boys ont dû l'emmener! Regardez! Hello! Il n'y a personne ici! Regardez ça! Hey!
Non, vraiment. Hey, ça, c'est du foin. Et ça a l'air trop bon. Non, je rigole. Bon pour les vaches et les chevaux, pas pour les humains. Wow. Oh, vous voyez ça? Regardez d'un peu plus près. Wow. Regardez, une cage de contention. Là, c'est pour la tête. Oh, c'est là que le bétail vient, juste ici, pour voir le docteur et se faire vacciner. Oh, wow, on dirait une brouette. Sauf qu'elle est toute plate. C'est pour transporter le foin. On l'a fait rouler là-bas. Pour aller nourrir les vaches. Wow! 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 Oh! 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 Ah, j'ai vraiment le tournis. Ok, un dernier endroit. Venez par ici. Wow! Voici la céleri! Regardez! Wow! Toutes ces selles! Ok, si je veux monter un cheval, j'ai besoin de votre aide! Choisissons notre selle favorite! Ok? Venez! Celle-là? Non! Celle-là? Non! Celle-là a l'air d'être la bonne. Ok, mais d'abord, il nous faut un tapis de selle. Là, en haut. Oh, venez là. Regardez celui-là. Vous savez quelle couleur c'est, ça? Ouais, l'une de mes favorites. Bleu. Ok. Prenons ce tapis de selle. Je prends aussi celui-là. Et il nous faut également la bride. Venez. Ok, je prends la bride, on la met sur la selle. Ok, on y va! Ouais! Ok! Ah, merci Blippi d'avoir pris la sellerie. Ouais! Peux-tu me faire passer les tapis de selle? Très bien. On les met en premier. Les tapis de selle, à quoi servent-ils? Les tapis de selle se posent sous la selle, comme un coussin. Hmm? Pour le cheval, la selle, c'est là où le cow-boy s'assoit. Ok. Et ça, ça va sur le cheval. Par-dessus, le tapis. Et je vais l'attacher au cheval. Comme ça, le cavalier pourra s'asseoir. La bride. Cool. Ou la tétière. Ok. Et un cow-boy ou une cow-girl utilise la bride pour diriger le cheval. Waouh, comme un volant. Comme ça. Et au-dessus de ses oreilles, ici. Comme ça. Et on contrôle la bride à l'aide des rênes. Oh. C'est donc bien l'équivalent d'un volant pour le cheval. Ok. Ok, bien. Ça veut dire que je suis prêt à diriger le cheval? Je pense bien, Blippi. Ok, Blippi, à ton tour maintenant. D'accord. Oh. Ok. Oh. Ok. Oh, c'est parti. Allez, bonne balade. Merci. C'est parti. Wow. Hey. Cette jument est marron foncé. Elle est trop belle.
Cette jument s'appelle Fancy et elle est trop chic. Oh, c'était trop super fun. Non seulement Fancy est un bel animal, mais elle est aussi, comme les autres chevaux, très utile pour déplacer le bétail au sein du ranch. C'était vraiment l'éclate de monter à cheval. Allons voir ce qu'il y a d'autre dans ce super ranch. C'est parti! Oh! C'est parti! Wow! Wow! Les quads s'appellent des quads car ils ont quatre roues. Une, deux, trois, quatre! Wow! Wow! Vous faites un tour de quad avec moi! C'est pas fun? Wow! Dans le ranch, il y a beaucoup d'engins très utiles, comme ce quad. Et... comme ça! Cet énorme camion benne! Youhou! Et ce mini tractopelle! Et maintenant, le plus gros engin du ranch! Ah oui, c'est un gros engin! Ouh! Maintenant que le Skidgen est garé et qu'on peut s'approcher en toute sécurité, mon bon ami Cody de la famille Axe... Hello tout le monde! ...va nous montrer! Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! Ok, alors, ce Skidgen est en fait utilisé pour lutter contre les feux de forêt. C'est le mélange d'un camion de pompiers et d'un monster truck. Combiné. Vous voyez ces gros pneus? Comme les pneus de Monster Truck, regardez, ils sont énormes. Ils sont là pour que le Skidgen ne reste pas coincé quand il sort dans la forêt. Allons par là, vers l'avant. Ici, c'est comme une charrue, équipée d'un pare-broussailles. Ça descend jusqu'au sol pour repousser et dégager toutes les broussailles, ce qui crée un pare-feu. Et lorsque le feu arrive jusqu'au pare-feu, il est stoppé. Venez par là, vers l'arrière. On a un réservoir d'eau géant. Ici, c'est rempli d'eau. C'est environ 4200 litres d'eau. Et là, il y a une lance d'incendie. Par ici, ce tuyau rouge, on peut le dérouler et le faire aller jusqu'au feu, puis le laisser à terre. Il y a aussi une tourelle, là, au-dessus. Elle tourne sur elle-même et envoie de l'eau. Mais avant de vous montrer ça, allons à l'intérieur de la cabine. Bien, maintenant, on est à l'intérieur du Skidgen. Laissez-moi vous montrer. Là, ici, c'est le volant. Et c'est en fait avec ça qu'on va conduire le Skidgen un peu partout. Si vous regardez un peu plus haut, ça, c'est le tableau de bord, avec tous les indicateurs. Si on pousse ce bouton ici, c'est le klaxon. Vous entendez? Et là, regardez en bas à mes pieds. Ça, c'est la pédale de frein. Et ça, c'est l'accélérateur. Et par ici, on a ce petit levier. Ça contrôle la lame à l'avant du Skidgen. Je vais vous montrer le plus cool. Ça, c'est le joystick qui contrôle le canon à eau. Regardez. C'était super fun de pouvoir filmer cet énorme ranch. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Axe Family. Vous pourrez ainsi voir d'autres vidéos du ranch. Bien,
Bye bye! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au zoo de Woodland Park à Seattle, Washington. Hey, regardez! Voici le tableau d'information du zoo. Oui, il y a une carte du zoo. Je me demande quels animaux on va voir aujourd'hui au zoo. Oh, peut-être qu'on va voir... Oh, l'ours grizzly. Oh, ce serait trop cool! Ou... Oh, il y a des gorilles, là aussi. Oh! Et il y a plein de différents types d'animaux, comme les flamants. Wow! Oh! Oh! Regardez ce grand animal! Ça, c'est une girafe. C'est un très grand animal! Bon, ça nous fait quelques animaux à étudier. Venez! Wow! Regardez ça! Ouais! Cet habitat est comme l'Alaska! Ou le nord-ouest du Pacifique! Ou le Canada! Ou... Ouais! Et j'ai quelques nutriments pour cet animal! Mais attendez! Essayez de deviner à quel animal appartient cet habitat! Oui! C'est un ours! C'est un très gros ours! Oh! Il est brun! Ouais! C'est un ours grizzly! Waouh! C'est vraiment trop dingue! Hey, très bien! J'ai la permission de mettre cette nourriture et ses nutriments afin que l'ours puisse en profiter. C'est parti! Ok, d'abord, j'ai du marc de café, vous voyez? Oui, c'est juste du café normal. Donc, si on en met un peu par là, peut-être que l'ours va se rouler dedans. L'ours adore se rouler dans le café. Ok, un peu par là. Ouais. Et voilà. Oh, peut-être... Un peu plus par ici. Et voilà. Très bien. On va poser ça là et on viendra bien le récupérer avant de partir. Ok. Regardez. Ce sont des biscuits. Oui! Ce grizzly adore les biscuits. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu par là. Ouh! Et voilà. Très bien. Je vais... en jeter un peu sur son chemin. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Tarte à la courge. Miam. Très bien. On va mettre un peu de ça juste par ici. Très bien. J'ai encore des biscuits. Regardez. Ouais. Il y a beaucoup de fruits et de légumes ici. Ouais, j'adore les fruits et les légumes. Oui, j'adore le céleri avec du beurre de cacahuète et du miel dessus. Miam. Ouh, on dirait qu'on a du raisin. Miam. Ouh, et on a des poires. Et on a des carottes. Wow. Et des pommes. Et de la pastèque! Ouais! On va mettre les biscuits ici, sur cette petite île. Très bien! Parfait! Ce fruit sent trop bon! Très bien! Encore un peu de poudre de courge. Super! Et puis, je vais aller jusque là-bas, en bas, pour mettre un peu de nourriture. Cet ours va pouvoir se faire un vrai repas autour d'ici. Hey, maintenant, on va chercher nos boîtes et puis on fera sortir l'ours pour qu'il puisse se faire un bon repas. Wow, regardez! Voici Kima. Kima est un énorme grizzly et il se régale avec le repas qu'on lui a distribué. Bien joué, observons-le. Thank you.
Regardez! Ouais! Oui, ça c'est Dave! Et Dave est une girafe! Elle est trop grande! Et voilà, Dave! Je donne à Dave de la laitue romaine! Dave adore la laitue, la romaine! Hé, hey, comment ça va? Wow, regardez! Dave se sert de sa langue! Un peu comme une main qui tient une cuillère pour l'amener jusqu'à sa bouche! Wow! Dave est trop cool! Et voilà, Dave! Très bien! Ok, à plus tard, Dave! J'ai d'autres animaux à aller voir! Venez! C'est un gorille dans son habitat. Wouhou! Regardez! Ah, elle est trop mignonne! Wow! Il lance des nutriments juste là pour que les gorilles aient leurs casse-croûtes. J'adore les casse-croûtes! Tous ces gorilles-là, ce groupe, on l'appelle en fait une troupe. Wouhou! Groupe rime avec troupe! Bien, l'ensemble de ces gorilles est constitué de femelles, sauf deux. Vous voyez là? Le gros, là, avec le dos argenté. Ce gorille, c'est le chasseur de tête de la troupe. Et c'est un dos argenté. Et tous ces gorilles sont des gorilles des plaines de l'Ouest. Il y a aussi un second mâle. C'est le petit bébé. Ah, trop mignon. Très bien. Allons les voir manger. Ce sont des cétoines noires et jaunes. C'est un type de scarabée. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont en train de manger? Wow! Ouais, on dirait des bananes. Miam! J'adore les bananes, moi aussi. Wow! Regardez où je suis! Le labo des insectes du monde. C'est ici qu'habitent tous les insectes. C'est là qu'ils mangent, qu'ils dorment. Bref, c'est là qu'ils passent l'essentiel de leur temps. Wow! Hey, il y a pas mal de tarentules là-dessus. Wow! Et ici, un drôle d'insecte. Un phasme de Nouvelle-Guinée. Wow! Oh, c'est trop génial! Wow! Il y a tellement de sortes de bestioles et d'insectes dans cet endroit! Wow! Et il y a encore d'autres araignées. Ooh. Une araignée vénéneuse. Wow, on va vraiment pas la laisser sortir, celle-là. Mais hé, peut-être que si on va dans l'autre pièce, ils nous amèneront quelques insectes à observer de plus près. Ouais, venez! Wow! Regardez! Wow! C'est un phasme dilaté! Wow! Et de quelle couleur est-il? Ouais! Oui! Elle est de couleur verte! Je savais que c'était une femelle parce que les mâles sont marrons et elle, elle est verte. Oui! Vous avez vu, elle ressemble à une feuille. Oui! Elle ressemble à une feuille verte. Mais si c'était un mâle, il serait comme une feuille marron. Wow! Les phasmes dilatés sont les plus lourds insectes au monde. Oui! Elle n'est pas encore adulte, mais regardez sa taille. Wow! On dirait qu'elle s'étire un peu. C'est rigolo! Oh! Ah, elle est vraiment trop belle. Wow! Wow! Regardez! Ouais! On dirait une araignée. Wow! C'est une très grosse araignée. C'est
en fait une tarentule à cheveux roses. Waouh! Hello! Auparavant, j'avais très peur des araignées. Mais plus maintenant! Celle-là est hyper gentille. Ouais! Si je la laisse me grimper dessus, elle ne va même pas me mordre. Celle-là est très très gentille et aussi très poilue. Regardez! Oh! Ouais! C'est une femelle. Waouh! Et elle a environ 17 ans. Waouh! Quel joli petit insecte! Bon, pas très petite. Énorme! Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est une cétoine cornue d'Afrique. Waouh! Elles sont brillantes! Oui, les couleurs que je vois sur elles sont le vert et le jaune. Oh! Et leurs petites cornes, les mâles, oui, ils ont des cornes qui me semblent être de couleur rouge, orangée. Waouh! Ah, ils sont là, tranquilles sur l'écorce. Ils adorent manger des fruits. Miam! J'adore les fruits! Waouh! Regardez! J'ai quelques crustacés sur ce bout de plexiglas. Ouais! Ce sont des escargots partout là. Waouh! Ils sont trop mignons! Vous voyez comme leurs petites carapaces sont dures! C'est leur protection! Waouh! Ils viennent d'un endroit qu'on appelle Tahiti. Waouh! J'adore Tahiti! Le soleil brille et c'est magnifique! Et en fait, ils n'en existent plus à l'état sauvage. Uniquement au zoo, en captivité. On tente actuellement de les réintroduire dans leur habitat d'origine. Et là, on peut bien les observer et voir qu'ils sont en train de manger. Hello! C'était pas fun d'étudier les animaux aujourd'hui au zoo de Woodland Park, Seattle, Washington? Oui! C'était trop bien! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Flippy! Bien joué! Bien, j'y retourne pour apprendre d'autres choses sur les animaux. C'est parti!